Bonjour les scrapinous, on se retrouve pour une vidéo haul. Donc il y aura du haul action, des nouveautés au niveau des plaques d'embossage. Ensuite il y aura Horizon Créative et Scrap Didi. Donc je commence tout de suite avec Action. Donc comme je disais dans le titre, elles ont fait des nouvelles plaques à embosser avec les tampons. Donc il y en a 6. Et petit plus, ce qu'ils ont fait, je trouve ça pas mal, c'est qu'ils ont ils ont numéroté. Donc je trouve ça, ouais, c'était pas mal. Au moins pour chercher, on sait, bon, pour moi il n'y en a que 6, il n'y avait que 6 numéros. Donc au moins on sait au niveau de la collection. Donc on va commencer avec un tampon, il est un petit peu tombé, voilà, avec la numéro 1. Donc c'est des grandes plaques, 15-15. Avec le rond au milieu pour mettre le tampon. Donc celle-ci c'est des petits points, enfin ça fait des bulles plutôt, on dirait plus des petites bulles. Et on a ces trois tampons là. Donc l'appareil photo, je le trouve pas mal parce qu'après on peut même s'en servir à part. La numéro 2, elle est comme ça, voilà, et les tampons. Ensuite la 3, donc en fait il y en a 3 grandes et 3 petites. Donc là c'est des cœurs, vous voyez, avec des petites bulles aussi. Et là on a les tampons, donc là pour la Saint-Valentin, c'est très très bien. Ensuite, donc là c'est les petites, on a celle-ci, donc là c'est la numéro 4. Donc toujours avec le petit, la petite fenêtre au milieu. Et non, mettre comme ça, ça sera mieux. Et là, les tampons, j'adore. Ceux-là, ils sont trop beaux. Vintage, l'ancrage, et puis là, l'alphabet. Ensuite, la cinquième. Donc là, ce sont des branches. Voilà. Et là, les tampons, c'est des petits oiseaux. Ils sont trop mignons aussi. J'aime beaucoup. Ça va, ils sont quand même, pour une fois, de taille assez, assez correcte. Et la dernière, donc ce sont des fleurs, ça fait des grosses fleurs. Voilà. Et donc là, les tampons, donc on a des roses, on a un petit arrosoir. Et ici, la petite abeille. Voilà. Donc voilà les nouveautés de chez Action. Donc je sais pas, peut-être qu'ils commencent un peu à remettre des nouveautés, là, je sais pas. J'ai trouvé ça. Ensuite, chez Scrap Didi. Donc j'ai pris des sprays. Plusieurs sprays pour moi faire le des fonds de cartes, pour faire mon art journal, bref voilà, j'en avais pas, donc j'en ai pris. Donc là j'ai pris celle-ci, donc c'est la marque 13 Art, Dirty Pink, Pastel Corail, Pastel Green, la Pastel Salmon. Bon, faut mélanger parce qu'il y a les petits pigments. Et Cygne Rouge, Pastel Raspberry. Donc ils font pas mal de soldes en ce moment sur leur site. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour. Il y a plein de promotions. Et ça vaut le coup. Et ensuite j'ai pris deux Crystal Drop. Pardon. Donc j'ai pris celui-ci. C'est un bleu, donc c'est le double de nain, un bleu très clair, et là pareil, un rose, donc là c'est le party pink. Voilà, parce qu'en ce moment je suis en train de faire un album donc avec leur collection, donc douceur printanière. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc là, j'ai repris des papiers parce que j'ai plus assez de papier. Et donc, du coup, ces Crystal Drop, pardon, vont très bien aller avec leur papier de cette collection. Où c'est vraiment des couleurs. Vous voyez, il y a du bleu, on a du rose, du marron, des couleurs très très claires. Donc, du coup, ça va aller très bien avec l'album. Donc là, voilà pour. Oups, je vais tout tomber, je range en même temps parce qu'après c'est un peu bordel. Hein. Voilà pour Scrap Didi.
Et ensuite chez Horizon Créative, donc pareil, j'ai repris des sprays. Donc là, toujours dans la marque Trésor. Je ne sais pas si je le dis bien, mais bon. Pearl Turquoise Light. C'est un vert. Ça doit donner ça, à mon avis. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. C'est les pigments au fond. Et là, ici, un Pearl Silver. Donc c'est un blanc nacré. Hop, voilà. Et ensuite, j'ai pris de la marque Nouveau, le Mika Mixte. Alors, le bleu, il est magnifique, quoi. Franchement. C'est le Nebula Blue. Il est trop, trop beau. Franchement. Voilà. Donc, je suis super contente de mes petits sprays. Ça, j'en ai déjà un petit peu. Et ensuite, donc ça faisait un petit moment que je le voulais. La collection Alice au Pays des Merveilles. Donc elle l'a remis en boutique la semaine passée et dès que je l'ai vu, bah, j'ai commandé tout de suite. Bon, je vous montre pas les papiers parce que, enfin, je les montre vite fait, hein, parce qu'on les connaît, hein, ça fait un petit moment que c'est sorti, mais ils sont trop trop beaux. Donc du coup, je l'ai pris et puis en plus, j'ai pris les... Ça y est, j'ai un trou. Les trucs en bois. Je sais plus le nom. Ah là là. Bon, ils ont écrit ça silhouette entaillée. Hein. Donc, ils sont trop beaux aussi. Voilà. Donc voilà pour ma petite vidéo haul. Voilà, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.